Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va sans doute changer d'habitude. Voilà, donc je me retrouve dans le nord de la France, à Douai pour être précis, donc dans le 59. Et donc je vais pêcher en eau douce. Voilà, l'eau douce, vous savez que l'eau douce et moi ça fait deux. Enfin, vous le savez pas, enfin en tout cas je vous le dis. J'ai très 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 rarement pêché en eau douce, un petit peu la truite et les carnassiers, vraiment presque jamais. Donc j'ai jamais fait de cendre de ma vie, des perches. J'en ai fait quelques-unes en vacances, mais mon record, ça doit être un truc comme 27. Et des brochets, j'en ai fait deux dans ma vie qui ne dépassaient pas les 30 cm. Enfin voilà, donc l'eau douce, franchement, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Du coup, bah, je vais devoir m'y mettre. Je vais essayer de comprendre un peu comment ça marche. Donc là, je suis dans une ville où il y a une sorte de canal, une rivière qui passe dans le centre-ville. Donc c'est un peu du street fishing, donc on peut trouver perche, cendre et brochet. Apparemment, il y a du silure, il y a du chevesne, enfin, il y a un peu de poisson comme ça. Donc voilà, donc là, je compte essayer de viser la perche demain matin en drop shot. Donc, je vais essayer cette technique-là, on va voir. Ça a l'air d'être une technique qui est assez réputée pour la perche et qui peut parfois rapporter des cendres, j'ai vu. Donc on va essayer tout ça et on se retrouve demain matin directement au bord de l'eau en street. C'est parti! Poisson. Yes. Fish on. Et la première perche. On va la dropper. Yes. Petite perchette. Et voilà les gars. Première petite perche. En drop shot à Douai avec le Hasdong, j'ai lancé le long de la le long du muret et ça a payé. Oh la tape. Poisson. J'ai reçu plein de petites touches. Encore une petite perche. Yes. Ça fait plaisir ça. C'est mon record, c'est mon record perche celle-là. Allez hop, ouf, nickel. Ouais. Ah, une petite perche minuscule.
Bon, ça. Bonjour. Poisson. Bonjour. Ouais, ça marche. Bah ouais, j'ai à peine d'arriver là. Petite perche. Voilà, petite perchette. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en street fishing dans le nord. On va essayer de viser le cendre. Voilà, j'ai jamais fait un cendre de toute ma vie. J'aimerais bien faire un poisson de cette espèce. Donc voilà, c'est maintenant. On va commencer, on est sur un petit canal là comme ça. Enfin, j'espère que je vais pas faire des gros parce que sans épisode ça va être la galère. En pire des cas, j'ai devoir trouver des escaliers. Il y a des escaliers assez régulièrement. Et voilà, on va s'arranger comme ça et puis on va voir ce que ça peut donner. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images. Touche les gars, je sais pas si c'était un cendre ou une perche, mais en tout cas j'ai une belle touche. Peut-être c'est l'attractant qui a fait la diff, j'en ai aucune idée, on va voir. Poisson. Oh, un cendre. Mon premier cendre de ma vie. C'est mon premier cendre de ma vie. Ah ouais? Ouais. Je te laisse descendre ou tu veux l'épuiser? Je veux bien que tu me l'épuises, s'il te plaît. Il est pas vilain, je crois. Ouais, il est pas vilain. Yes, c'est mon premier cendre de toute ma vie. Bien gros. Waouh, trop bien. Ah yes, je suis vraiment refait. Oh merci, tu me sauves la vie avec l'épuisette. Oh, tu m'as sauvé la vie. Eh. Nickel. Ça se prend par les ouïes, ça, c'est ça? Ah ouais.
Ah, magnifique. Eh. Oh, il est. Ça fait 70, hein. 70, tu vois. J'ai une toise, je vais le mesurer. Tac. Ouais, ça fait un petit 60 peut-être. Ok. Attends. Je te la prends. Ouais, j'ai bien, puis prends là. Puis prends le. Ouais, carrément. Ouais, ouais. 60, ah, 71. 72. Voilà. D'accord, ok, ouais. Eh ben, il est où ? Ouais, c'est bon, nickel. Ah, nickel. Ah, merci beaucoup. Check. C'est pas le premier centre de ma vie, 72. 72, premier centre, c'est beau, hein. Ah bah merci. Belle. La chance du débutant. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est sur ce magnifique cendre, c'est vraiment cet énorme cendre de 72 cm. Franchement, pour un premier cendre, j'aurais pas rêvé mieux. C'est vraiment incroyable, ça fait trop plaisir. Voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Mais vous allez sûrement avoir de nouvelles vidéos sur le cendre, sur la perche qui va arriver. Surtout qu'on arrive dans la bonne période visiblement pour ces poissons. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.